Salut, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle partie de la leçon sur les nombres décimaux relatifs. Et aujourd'hui nous allons étudier l'addition de deux nombres décimaux relatifs. La règle est la suivante. Pour additionner deux nombres décimaux relatifs de même signe, on prend le signe de ces deux nombres. On additionne les distances à zéro de ces deux nombres. Voilà. Bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je prends ici, pour exemple, moins 3,2 plus moins 4,1. Quel sera le résultat? Pour vous expliquer bien, lorsque vous regardez la règle, on dit on prend le signe de ces deux nombres. Nous voyons que les deux nombres ont le même signe, c'est moins 3,2, moins 4,1. Donc les deux nombres ont le signe négatif, c'est-à-dire le signe moins. Donc le résultat va porter le signe moins. Donc vous voyez ici, ce qu'ils ont eu comme résultat porte le signe moins. Après, on nous dit on additionne les distances à zéro de ces deux nombres. La distance à zéro du nombre 3, moins 3,2, c'est 3,2. Et la distance à 0 de moins 4,1, c'est 4,1. Donc, on va faire 3,2 plus 4,1, ça donne 7,3. Le deuxième exemple, cette fois-ci, les deux nombres sont positifs. Nous avons plus 2,5 et puis plus 3,4. On nous dit de prendre le signe des deux. Le signe des deux ici, c'est plus. Donc, le résultat va porter le signe plus. Et puis après, on nous dit d'additionner les distances à zéro de ces deux nombres. Quand on regarde ici, la distance à zéro de plus 2,5, c'est 2,5. La distance à zéro de plus 3,4, c'est 3,4. Donc, on va faire 2,5 plus 3,4, ce qui nous donne 5,9. Voilà un peu ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous avez additionné deux nombres de même signe, le signe du résultat sera le signe des deux. Si les deux nombres sont négatifs, on dit deux nombres de même signe. Si les deux nombres sont négatifs, ça veut dire que le résultat va porter le signe négatif. Si les deux nombres sont positifs, ça veut dire que le résultat va porter le signe positif. Maintenant, le travail que vous allez faire, vous ne vous occupez pas des signes. Vous additionnez tout simplement les distances à zéro. C'est-à-dire 3, moins 3,2 plus moins 4,1. La distance à 0 de moins 3,2, c'est 3,2. La distance à 0 de moins 4,1, c'est 4,1. Donc, vous faites 3,2 plus 4,1. De l'autre côté, vous allez faire 2,5 plus 3,4. Voilà un peu l'astuce. Alors, on va passer au suivant, à la règle suivante. On dit pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. On soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande. Bien, c'est expliqué en français. On va venir maintenant faire la pratique en mathématiques. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque vous avez deux nombres de signes contraires, quand je prends plus 3,2, et puis moins 4,9, on voit que 3,2 porte le signe plus, 4,9 porte le signe moins. On dira que les deux nombres là sont de signes contraires. Alors, on nous dit quoi? Lorsque tu as ce genre d'addition à faire, il faut regarder le signe du nombre qui a la distance la plus grande à zéro. Or, quand on regarde, c'est moins 4,9. La distance de moins 4,9 à 0, c'est 4,9. Donc, le résultat va porter le signe de 4,9. C'est pourquoi dans le résultat, vous avez moins. Et puis ensuite, on dit, vous prenez le même 4,9, vous faites moins 3,2. Allez, vous enlevez 3,2 dans 4,9. Ça nous donne 1,7. De l'autre côté, c'est la même chose qu'on va faire. On va regarder les deux nombres. Nous avons moins 2,2 plus 3,8.
Quand on regarde le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 3,8. Sa distance à 0 est 3,8. Donc, le résultat va porter le signe de 3,8. Vous voyez que le signe de 3,8, c'est plus. Donc, le résultat porte le signe plus. Et puis, ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre 3,8, vous allez faire moins 2,5 et vous trouvez 1,3. Voilà un peu l'astuce. Comment est-ce qu'il faut faire la somme de deux nombres décimaux relatifs du même signe, d'une part, et la somme de no deux nombres décimaux relatifs de l'autre part, de deux nombres décimaux relatifs des signes contraires de l'autre part. Bien, propriété. La somme de deux nombres décimaux relatifs opposés est égale à 0. J'explique. Lorsque vous prenez, par exemple, si vous prenez moins 1, que vous faites plus 1, vous allez avoir égal à 0. Si vous faites moins 2, ou bien plus 2, plus moins 2, c'est égal à 0. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez un nombre que vous prenez son opposé, si vous additionnez les deux, ça donne 0.